m'appelle Jérémy, je suis le dessinateur de Barracuda. Alors mon parcours, j'ai fait mes études secondaires et supérieures à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai. Les études supérieures étant se déroulant à l'atelier de bande dessinée dirigé par Antonio Cossu. Et ce sont des études que j'ai abandonnées en deuxième année pour me lancer en tant que coloriste pour Delaby, sur Murena. Et de fil en aiguille, ainsi rencontrer Jean Dufaux et me lancer sur Barracuda. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être dessinateur, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours voulu faire de la BD. Et disons que c'était une période dont j'étais occupé sur les couleurs de Murena. Et donc je cherchais un projet pour me lancer en tant que dessinateur. Et je me dis, tiens, je vais essayer avec Jean Dufaux. Au pire, je reviens avec une critique constructive de mon travail. Et c'est ainsi que, si vous voulez, Jean a vu mes planches, qui étaient des planches qui se déroulaient dans un milieu Moyen-Âge fantastique. Et à ce moment-là, c'était un peu un danger pour nous parce qu'on se rapprochait trop de la complainte des Landes perdues de l'Abbé. Et c'était aussi dangereux autant pour Jean que pour moi. Et dans ce bloc de feuilles, de planches que j'avais montré à Jean, il y avait une planche qui se déroulait dans le milieu de la piraterie. Et c'est là que Jean m'a dit, tiens, t'aimes bien les histoires de pirates? Ben, j'ai dit ouais. Et puis Jean est parti, il m'a laissé comme ça. Et donc j'avais rien en retour, je savais pas ce qu'il en pensait. Donc, et puis du soir même, Jean me dit, je vais te faire une histoire, j'ai une histoire dans mes tiroirs. L'histoire de trois adolescents sur une île dans un univers de pirates. Oh, c'est génial. J'étais super content, quoi. La piraterie, je pense que c'est un genre, un style que tout môme passe par un moment ou un autre, quoi. Il y a les policiers, il y a les cow-boys, il y a puis les pirates, quoi. Et ça, c'est un peu un rêve de gosse. Je pense que c'est pareil pour Jean. Jean aussi s'est beaucoup amusé à raconter cette histoire. Il le dit aussi dans les préfaces de Barracuda, qui en même temps, de son côté, est aussi un hommage à l'âge d'or du cinéma hollywoodien, donc tous les films avec Errol Flynn, tous les films de pirates, des grands classiques à l'heure actuelle. Et moi aussi de mon côté, quoi. Moi je suis plus de la génération pirate des Caraïbes, mais je continue aussi à m'intéresser à tout ce qui se fait autour de la piraterie. Et c'est un style qui, je crois, ne peut pas vraiment mourir, quoi. Il y a toujours une manière de raconter une histoire dans l'univers des pirates, quoi. Et c'est justement ce point de vue qui est intéressant. D'ailleurs, c'est ce contraste qui était assez amusant, l'adolescence, quelque chose d'assez pur face à la violence du monde des pirates, quoi. Comment est-ce que deux enfants comme ça vont s'adapter à cet univers-là? L'un va survivre parce que physiquement, il a les traits assez féminins. Et au final, les femmes pouvaient survivre d'une manière ou d'une autre. Lui, il a eu de la chance, il a été racheté par quelqu'un d'assez connu sur l'île. Mais Maria, elle a été rachetée par le marchand d'esclaves. Elle, c'est un peu plus dur parce qu'elle a déjà un caractère beaucoup plus dur du fait qu'elle descend d'une famille très haute dans la hiérarchie espagnole. D'ailleurs, ça on le verra dans le deuxième, à quel point sa famille était proche de la royauté espagnole. Et donc forcément c'est un coup dur pour sa personnalité, hein. Et alors comment est-ce qu'un personnage comme ça va s'adapter à cet univers? Elle va pas se laisser faire non plus, quoi. Les émotions des personnages, en fait, c'est une histoire basée sur les personnages selon leurs émotions. On n'a pas pris le côté de la chasse au trésor sur la mer, on va rester sur l'île, mais en même temps on va rester proche des personnages, proche de ce qu'ils vont ressentir. Et c'est vraiment sur notre point de vue à nous, sur Barracuda. C'est un choix, mais bon, on s'y tient et je suis assez content. C'est un peu l'originalité du récit en même temps. Alors je fais pas beaucoup de croquis, disons que je passe plus de temps dans les recherches.
Quand Jean m'a proposé le scénario de Barracuda, j'avais pas tant de documentation de pirates que ça. Et vu que j'ai eu 2 mois avant qu'il me donne le scénario, bah, j'ai fait tous les magasins, tous les des recherches sur Internet, les films, j'ai regardé plein de films. Et je pense que Barracuda est vraiment parti là-dessus, de toute cette passion que Jean et moi, on a pour le cinéma. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on avait une date à l'histoire, mais on a décidé de l'enlever. Pourquoi? Pour donner un côté intemporel à cette histoire. Et finalement se dire, voilà, c'est une histoire de pirates qui se déroule dans notre univers à nous, basé sur nos influences, basé sur le cinéma, sur nos lectures, sur tout ce qu'on aime, Jean et moi. Et c'est un peu un univers irréaliste. Et Puerto Blanco, en fait, c'est ça, c'est l'image que nous, on a de la piraterie, Jean et moi. Bah, c'est-à-dire que j'ai commencé en lisant les grands classiques, Tintin, Spirou, les trucs du genre, vraiment les bases du franco-belge. Puis, fin de l'école primaire et puis le début de l'adolescence, j'ai plus été dirigé vers le comics et le manga. Là, j'ai lu tout, j'ai une collection de comics et de mangas assez faramineuse, parce que voilà, c'était dans les mentalités, c'était dans la cour d'école, tout simplement. C'était ce qu'on voyait partout, on ne nous montrait pas de franco-belge, on nous montrait de l'américain et du japonais. Ce qui est pas mauvais, hein, parce que je pense que toute culture est bonne à prendre, parce qu'elle, tant qu'elle enrichit le rêve, l'esprit de l'adolescence, quoi. C'est ça qui est important là-dedans. Et puis, comme j'avais dit, c'était avec Delaby que j'avais véritablement découvert ce qui se faisait dans le franco-belge. Et c'est à partir de là, je crois, que j'ai commencé à me faire mes marques. Et il y a eu quelques auteurs comme ça qui m'ont vraiment influencé dans la manière de construire une histoire et de mettre en scène une histoire. Il y a eu Rosinski avec Torgal, il y a eu Marini avec Scorpion et Rapace, il y a eu Guarnido avec Black Sad et il y a eu Delaby. Voilà, ce sont les 4 grands noms que, si je devais citer mes maîtres, ce serait eux, quoi. Pour l'instant, je dois avouer que je m'entends super bien avec Jean. Il n'est pas contre l'idée de continuer avec lui. Après, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est vrai que le milieu de la piraterie m'amuse beaucoup, Jean aussi. Je me rends compte que je suis déjà à la moitié de l'histoire, à savoir la moitié du 2e tome, mais je me dis que je vois déjà la fin approcher, si tôt déjà. Et il n'est pas exclu donc qu'on continue avec Barracuda, mais sur autre chose, parce que je pense que déjà dans le 2e, il ouvre d'autres pistes qu'on va pas exploiter, mais qui auraient le mérite quand même d'être racontées. Donc à partir du moment où on trouve un point de vue, où on trouve quelque chose à raconter, je suis pas contre le fait d'avoir une suite. Je ferai pas une suite pour faire du bois de rallonge, hein, c'est pas mon genre. Mais si on trouve quelque chose à raconter d'intéressant, et je crois qu'il y en a, on continuera sans doute. Ou alors on partira sur un autre projet, j'ai plein d'idées, plein d'univers que j'ai envie d'explorer, quoi.